Et bonjour tout le monde, bienvenue pour une petite partie de Commander EDH en 1 contre 1 et aujourd'hui Maelstrom Wanderer. Alors, on a Côte de Lande, je dirais, c'est peut-être un petit peu juste. Pas de sort de rampe. Ulamog qui est en gros une carte morte pas avant quelques tours. Donc là, on va plutôt mulligan. Ah, c'est quand même bien mieux. C'est quand même bien mieux. Allez, avec une petite bibliothèque Sylvestre en 2. Donc Maelstrom, hein, c'est un deck qui se, en gros, qui se pilote un petit peu tout seul. L'idée c'est de ramper, et puis de jouer le papa le plus tôt possible. Donc là en face, ça joue pas de... Ça doit pas jouer trop de contre. Donc du coup, ça, de ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire. Par contre, à voir s'il joue une version plutôt réanimator ou une version good stuff. Ce sera la surprise. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de ramper le plus vite possible. Alors, le terrain qui arrive engagé, c'est vraiment pas terrible. Mais ça nous arrange parce que ça nous fait gagner du temps. Alors. Allez, donc bon. En général, avec la bibliothèque Sylvestre, on peut se permettre de. De perdre des points de vie parce que voilà, on a 40 PV, donc ça permet aussi d'épurer sa bibliothèque. Donc en général, c'est régulièrement que je dépense mes 8 PV au moins sur les deux premiers parce qu'on a de la marge. Allez, go! Alors. Donc là, par contre, on va pas les prendre, parce qu'on a une main comme un 7. Et ça nous ferait défausser. Alors on va prendre Taiga. Une petite île. Et on va lancer un sort de rampe. Pour accélérer le mouvement. Faut se méfier de la chevalière du reliquat, parce que ça... Ça peut taper fort rapidement. Alors une forêt et Breeding Pool. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'au prochain tour on a 7 mana. Ça me paraît pas mal. Alors. Solemn Simulacrum. On va prendre une petite phase de... Alors, est-ce qu'il va aller chercher Mesophyte? Ça aussi j'aime pas, ces landes qui vous remontent un land en main, c'est vraiment complètement hors tempo quoi. En plus pour le peu qu'on se fasse péter au tour suivant, c'est vraiment... Alors, Destructive Force. Ok. Alors,
On va jouer City of Brass. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manas. Et ben dans l'idée, j'ai bien envie de le faire chier avec Capsize. Voilà. Ça va le ralentir. Tout ce qu'il faut. Hurting Pod. Alors là, à mon avis, on va avoir droit à peut-être l'Acidic Slime. Je pense qu'il va nous péter la librairie. Ou alors, que va-t-il nous pondre? C'est plutôt bien vu. Alors, un land ou la librairie? La librairie. Oh, ma petite librairie. Alors, allez, jouons le papa. Allez, cascade. Ça, c'est bon. Hop, on va réduire un petit peu. Bon, ça c'est un petit peu moins bien. Ok. Ok, ok, ok. Alors, allez, soyons fous. Donc j'attaque avec tout parce que s'il me bute le Wanderer, on a de quoi le rejouer. Alors, il bloque pas. Alors, qu'est-ce qu'il va t'aller chercher là? Ouais, donc il veut faire grossir sa reliquaire. Ça, on avait bien saisi. Je pense qu'elle va se prendre son capsize au tour d'après. Parce que ça va vite devenir un problème.
Alors, une bête à 6, ça va commencer à devenir violent. Titan solaire. Un titan. À 6, en général, il y a quoi? Ouais, c'est les titans. L'oseille. Ok. Alors, enfin. On va jouer un caillou. Donc là, j'hésite à jouer Destructive Force parce que l'oseille, ça va devenir vraiment compliqué. Mais ça évite pas son reliquaire. Ça bute pas son reliquaire. Je peux le retourner dans sa main. On va essayer. Alors, on va plutôt jouer Destructive Force. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors, on va supprimer les deux forêts. 3, 4, 5. Et 6. J'aurais dû le taper pour mettre du mana, je suis con. Mais j'ai pas bien joué le coup. J'ai pas bien joué le coup. J'aurais pu faire cultivate. Ah, le con. Bon, par contre, ce chevalier là, il va falloir vraiment y faire quelque chose. Ouais, bah là on peut rien faire. Prions pour qu'il ait pas de land. Ça va être chaud, ça va être chaud. C'est pas bon. Je pense qu'il a un truc qui nous tue, qui nous inflige 3 points. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ah merde, j'ai pas deux îles. Oh là là. Je n'ai pas d'île. J'ai 5 manas. Non, bah là, c'est foutu, hein. Je vois pas comment on peut gagner. Je vois pas comment on peut gagner. Putain, ça fait chier ce double coloré là. Non, parce que là, il nous sauce, de toute façon, on n'a rien pour bloquer. Lui, il coûte 6.
Donc de toute façon, c'est foutu.